Toi ! Putain, mais ça fait beaucoup trop peur ! Je suis pas mère. C'est bloqué ! C'est bloqué ! Il arrive ! Il arrive ! Il arrive ! Ouais ! Ouais ! C'est le moyen de descendre ! C'était prévu dans le scénario que je me pisse dessus. Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue dans l'antre de l'horreur. Pierre Cross, ça va ? Non, ça va pas du tout. On est dans une bâtisse, un château. Je sais pas ce que c'est une maison de l'horreur, comme vous le voyez. Elle fait très très peur. Et puis on va pas aller par quatre chemins. On va devoir passer une nuit dans cette maison hantée, vous connaissez le concept. Et on se lâche pas, on est en bleu sang. Je précise un truc, c'est qu'on vient d'arriver. C'est-à-dire qu'on vient d'arriver nous deux, on était en voiture. L'équipe est arrivée avant, on a zéro info. Ils nous ont lâché le manteau, ils nous ont donné donc des caméras. On va partir tel des aventuriers de l'horreur. Voilà, je ne sais quoi vous dire, c'est parti. Venez une nuit dans une maison hantée. Y'a déjà un bruit, y'a déjà un bruit. Non. Y'a un bruit, y'a un bruit. Mais je me casse. Non mais là c'est pas drôle par contre. Je vais en haut. Non mais là j'ai beaucoup trop peur. Attendez, 2 minutes, j'ai de l'argent, j'ai 10 euros, j'ai 10 balles, regardez, j'ai 10 balles. J'ai vraiment 10 balles. C'est la petite fille, je peux rentrer ou pas? Bon écoutez, là je vais essayer de trouver une cachette. Tiens, j'ai perdu Pierre. Bon, ce que je voulais vous dire. Pierre. Ah non mais elle est folle. Ce que je voulais vous dire, c'est que je vais me cacher là. Cette vidéo, elle est sponsorisée par NordVPN. Je vous dis, je vous laisse tout de suite avec une explication. Je vais vous raconter qu'est-ce que c'est NordVPN et leurs avantages. Je vous dis. Oh. Cette vidéo est sponsorisée par NordVPN. Si tu veux te faire peur et regarder un film d'horreur que tu ne trouves pas en France, tu peux tout simplement te connecter dans un autre pays en un clic. Et ainsi regarder si le film que tu recherches est disponible. C'est très, très facile à utiliser. Et si vraiment tu n'y arrives pas, petit fragile, ils ont un service client disponible en français 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Tu sois plutôt ordi, smartphone, TV, c'est accessible globalement sur toutes les plateformes, à savoir Windows, Android, iOS, macOS, Linux et même Android TV. Tu peux consommer du contenu sur 6 appareils en même temps. Et si tu hésites, fais un essai de 30 jours, c'est satisfait ou remboursé. NordVPN te permet aussi de protéger tes données. Notamment si tu es connecté sur des réseaux publics, ça permet de rendre ton activité invisible. Et si tu aimes bien te cacher, je te retrouverai avec le lien en description. NordVPN.com/Benjos. Tu as une réduction de 73% sur un abonnement de 2 ans, plus un mois supplémentaire gratuit. Alors n'hésite pas à aller checker ça. Allons tout de suite retrouver ces deux petits énergumènes qui se croient certainement en sécurité. J'ai perdu mon Pierre. Le Pierre philosophal. C'est le pire démarrage de vidéo hantée de l'histoire. J'ai très très peur. Non, j'ai pas fait exprès. Je me suis mis là. Mais je voulais pas au début. Essaye de m'échapper. Pourquoi tu veux pas jouer? Non mais si, je voulais jouer. Viens là. Il me fait peur, très peur. Il me fait très peur. Pierre, t'es où? Oh là là, mais j'ai beaucoup trop peur. Ce n'est que le début, Benjamin. Que le début. Non mais ouais, mais c'est que le début, on peut peut-être s'arranger, non? On va bien jouer ensemble. On va bien jouer, Benjamin. Personne ne va nous échapper. Personne. Oula, mais il y a un problème, là. Pierre, t'es où? Je suis là. Mais non, mais t'es pas Pierre, toi. Je suis là, Benjamin. Non mais là, on joue... c'est un cache-cache hanté, en fait. Je m'en fous, je vais retrouver Pierre, moi. Benjamin! C'est toi! C'est Pierre! C'est toi! Comment je peux te prouver que c'est moi? Est-ce que tu peux me faire un jeu de mots avec le mot maison hantée? Si on était au Maroc, est-ce que ce serait une maison hantée à la menthe? C'est Pierre! Menthe! Là, j'ai été poursuivi par un truc, mon pote. T'es où? T'as dit que j'étais ton pote, c'est pas toi, t'es qui? Non, c'est moi, c'est Benjamin! T'es qui? C'est pas une maison hantée, c'est une maison en L.
c'est bien. C'est toi. Non mais là j'ai été poursuivi par un truc. C'est quoi? Ça ressemble à quoi? À toi, mais pareil quoi. Mais non, c'est juste que je te courais juste derrière. D'accord. C'était un mec avec un, comme tu vois l'épouvantail dans Batman. C'était pareil, c'était un genre de scarecrow. Et attends, il y a eu quoi? Il s'est passé quoi? J'avais une petite fille dans un fauteuil quoi, qui bougeait pas et qui disait je cherche Pierre. Qui va là? Déclinez votre identité. Ah, on a payé nous hein. Viens, on va chercher notre chambre. On dort où là? Ça dit quoi? Bah ça dit que ça fait peur. Et on fait quoi en fait? T'es prêt ou pas? Il faut que tu faut pas que tu bouges là. Comme ça s'il y a quelque chose là on court. C'est nous, c'est notre chambre, on fait ce qu'on veut. Ah non, c'est les chiottes. Bon ben viens, on se sépare plus jamais. Et là. Vas-y ouvre la porte Pierre. Je reste dans les chiottes au cas où. Y a rien, y a une tapisserie assez moche. Et là y a une autre porte. C'est quoi? Une salle de bain. À un moment donné, il va falloir se brosser les dents. Hein. Oh mon dieu. Il y a le rideau qui est tiré. Et tu faisais quoi en haut tout seul? Je me cachais, j'ai rien fait. Ah d'accord, pendant que je me faisais tuer, agressé physiquement. Bah je me suis caché, ouais. Bah vas-y, on est dans la salle de bain. Attends, mais là on est sûrement piégé comme des rats morts. Hein. Il y a déjà l'odeur de rats morts là. Là il se passe rien. Non, c'est un rideau de douche. Alors c'est chiant, attention, ça colle le cul, ça mouille, c'est froid. Ça surprend quand... ça surprend pas derrière. C'est l'équivalent d'un monstre. Hein. Ben et Pierre. Il y a marqué BP. Mais non, c'était déjà comme ça. Bah, je sais pas, BP. Mais tu sais qu'en plus, quand tu le dis, j'ai vu plein de stations essence sur le chemin. Oui, avec, avec pareil, Ben et Pierre. Oui. Moi maintenant, tu sais quoi la technique? Non, j'ouvre les lumières, c'est bon. Bon, écoutez, je pense qu'on a tous trop bu. C'était un très bon début de soirée. Tous très énervés. Bon, écoutez, je suis représentant des forces de l'ordre. Il y a un téléphone des années 70. J'ai appelé la police. Au moins, ça sonne. Dans les films d'horreur, ça sonne même pas. 911. Vas-y. Yes! Putain, j'ai envoyé Cliff Jean et Marie de Blige à l'appareil! Oui! Mais arrêtez de chanter! J'aime beaucoup cette chanson, mais arrête! Bon, ils veulent pas répondre. Bon, bah, on va être obligé d'y aller. J'ai remarqué que tu me laisses toujours entrer en premier. Qu'est-ce qu'il y a? J'entends des bruits! Non, c'est mon sac à dos qui a frotté. On sait pas revoir. Hein. On sait où aller? Ah! Tu crois que tu fais peur en ayant peur? Bah, à un moment donné, faut dormir, hein! Bah on va dormir là, Pierre, hein. Bah, bienvenue dans notre chambre. Tu crois? Bah je sais pas, il y a un lit. On doit passer une nuit dans le château, on va pas passer une nuit debout, hein. Là, on... Non, c'est pas ma chambre, d'accord. Eh, hey, on veut pas de problème. En vrai, c'est Airbnb qui a l'air super organisé. Elle a dit, c'est pas ta chambre. Bah, c'est peut-être là, notre chambre, hein. Est-ce que c'est là, notre chambre? Bonjour. On vient pour le Airbnb. Pour l'instant, l'état des lieux se passe pas bien. Vous faites une croix sur la caution, hein. Bah, pas une croix de Jésus, hein. Ouvre cette porte. T'es obligé d'ouvrir cette porte. Non, je fais pas. T'es obligé, Pierre. Je fais pas ça. J'ai fait que ça d'ouvrir des portes. J'ai l'impression d'être un groom. Mais ça, c'est pas la porte de tout à l'heure. Va donc. Je sais ce que... Oh. Ça allume les lumières. Mais d'où que... Ça allume les lumières comme ça. C'est pas Versailles ici. Elle, qu'est-ce que... C'est nous qui payons l'électricité, hein. Attends, non, il y a un fantôme là. Bah, c'est une maison hantée, hein, qu'est-ce que je te dise, hein. Pierre, il y a une malle. Non, mais moi, je vois rien en fait. Tu sais pourquoi tu dois l'ouvrir, Pierre? Si on dort et qu'il y a quelqu'un dans la malle pendant. Non, mais là, j'ai peur au premier degré. C'est-à-dire que là, on arrête les blagues, on arrête YouTube, on arrête. Salut le cartel, salut la peur. Non, t'es obligé d'ouvrir la malle, Pierre. S'il y a quelqu'un dans la malle. On se fait. La malle! Pourquoi il y a un lit de bébé? Oh, puis ça fait mal au cœur, le lit de bébé en bois. Le lit de bébé bois. On le porte? Et garde un œil ailleurs. C'est rien, c'est les couvertures, tu vois? C'est rien, c'est trop, il y a quelqu'un en dessous. Enlève-la la couverture. Il y a quelqu'un en dessous? Tu vois, c'est rien, tout va bien. Ça, t'es obligé d'ouvrir. Voilà, tout va bien, c'est une buanderie. Y'a quoi? On fait pas peur aux buanderies, nous? Bon, Pierre, on prend une décision. Est-ce qu'on se couche ici ou on va prendre une autre chambre? Ouais, j'ai vu un hôtel à 10 km d'ici, à Formule 1. Bon, on va se coucher? Bah ouais, on y va, là. Attends, y'a des petits livres peut-être à lire avant. Toi, t'es en musée hanté, tu veux lire des... Ah, y'a Métronome de Laurent Deutsch. Putain, ils ont bien fait le truc. Putain de merde, la prod est allée jusqu'au bout. Ils sont allés dans tous les détails. Il est en allemand. Bah du coup, c'est normal puisque c'est Laurent Deutsch. C'est bien. Je la place ici, hein. Paris belift ar Eigen, not en wundis, gegendanis. C'est une phrase pour rappeler les fantômes, ça. Ah, pardon. Bon, bah viens, allez, viens, on se couche à un moment donné. Là, c'est calfouette, on se brosse les dents. Tu veux dormir à côté du lit de bébé ou pas? Non, bah non. C'est comme dans les films, à un moment donné, quand on trouve notre chambre, on trouve notre chambre. Hein. Attends, là, il y a ça. Ah, bah super. Regarde, je vais poser ma cam ici, moi. Eh, regarde.
Hop là, voilà, là, il y a de la lumière. Oh, oh, elle s'est rallumée là-bas. Mais t'as pas des fantômes de lampe. T'as pas genre, la lampe, elle grille. Pire, c'est un génie. Attends. Allez, je me sens mieux là. Ça se trouve, c'était dans nos esprits. Dans le reflet du miroir, je vois une sorte de gros monstre avec un chignon sur la tête. Ouais. Franchement, n'aie pas peur. Bon, allez, on va se brosser les dents quand même. T'es sûr, hein, toi? Quitte à mourir sur Air Colgate. Moi, je préfère quand même avoir ma dernière arme naturelle encore intacte. Ce qui est chiant avec le fantôme, c'est qu'il prend pas surprise. Vous comprenez? C'est-à-dire qu'il se dit pas, tiens, je vais m'annoncer. Bah, il a la lampe là, j'ai l'impression qu'il communique des trucs par la lampe. Ah ouais, mais moi je parle pas le morse. T'as quoi, t'as un short de pyjama toi? Alors j'ai été beaucoup plus malin que ça, Pierre. J'ai ramené un jogging. Je commence à être expérimenté dans la fuite, ce qui fait que c'est fini les petits shorts et les petits t-shirts. Jogging immédiat. T'as quand même comme objectif de fuir. Bah vas-y, moi aussi alors. J'avais pris les deux, c'est jogging. Bah vas-y, ça part en pige. C'est le téléphone rouge? Bah on va répondre. Attends, attends, je remets mes baskets. Oh là là, c'est si peu normal d'aller répondre à une sonnerie. Mais il marche encore. Et quoi? Bah il s'arrête. Décroche. Tu veux que je décroche? Oh oh. Oh oh. Oh oh, oh, oh. Oh, oh, on a pas de but, mais je sais pas quoi faire. J'ai pas de porte. Ça va? Je les entends, ils arrivent. Ils veulent pas de porte. Il est où? Bah je sais pas où il est, je vais le voir. Ça sonne. Mais il est juste à côté, le monsieur, il veut pas décrocher. Vas-y, vas-y, toi t'es plus fort en décrochage de téléphone. Moi, je t'ai fait super fort. Franchement, moi je veux que ça glisse à chaque fois. Mais moi la dernière fois, j'aime bien juste glisser. Mais il est là, monsieur. C'est un téléphone Tom? Bah, on est obligé d'y aller là. Monsieur? Ça va recommencer. Il veut pas. Ça va recommencer. Ah, c'est quoi? C'est quoi? Je suis devenu une cantatrice. Attendez. Il y a. Oh oh. Ah. Il vient pas vers nous. Non, c'est bon. Attention, ouais. Non. Il se fait mal. Monsieur, ouais, c'est le principe du mur. C'est mal, hein, je... Non, mais je. Si vous cherchez le Laurent Deutsch, c'est moi qui l'ai, hein. En vrai, c'est en allemand, hein. Oh, oh, oh. Oh. Regardez, on est tous les deux pareils. On se cogne tous, là. Vous êtes pas mieux que nous, hein. Soit vous avez votre chambre, soit vous n'avez pas votre chambre. On a plus de place, nous, ici. Bon, moi, je m'en. Qu'est-ce qu'il dit? J'en ai marre de sa vidéo YouTube. Là, c'est tout pourri, c'est cache-cache géant, j'en ai marre. Enfin, c'est ce que j'ai vu, moi. Il m'en veut personnellement, alors. Là, on est stoppé. Bah, non, on peut fermer notre porte, justement. Ouais, mais je préfère avoir un visu sur lui. Bah oui, je me tais, ça va. Monsieur, ce sera plus pratique à la main, vous ferez moins mal pour toquer aux portes. Mais dis tais-toi, je trouve que c'est pas respectueux. Bon, bah on était parti pour se brosser les dents. Toujours des très mauvais choix de tapisserie, les maisons hantées. Bon. S'il y a un fantôme qui arrive, on est coincé comme des rats morts. Je garde un œil sur la chambre. Oh, ça m'a fait peur, j'en suis fait mal à la voix. Casser la voix. Je préfère annoncer, c'est la dernière vidéo, maison hantée. Il pleut? Ouais. C'est vrai? C'est-à-dire qu'on peut, même pas fuir dehors. Y'a quelqu'un? T'as eu peur, hein? Ouais. Tiens, je voyais bien, on se baisse, et là, derrière le rideau, il y a quelqu'un qui apparaît. C'est des fantômes, hein, c'est pas des mecs qui ont un incroyable talent. Et là, j'ai moins peur. Parce qu'en fait, les fantômes, ce qu'il faut vous dire, si vous êtes des gens dépressifs, il faut venir nous parler. Faut pas errer comme ça dans les escaliers, dans les maisons. On essaye de voir un petit peu au-dessus, on réfléchit. Au mieux, on peut parler un peu, prendre une petite bière. On peut communiquer. Tu sais que moi, quand je suis triste, la solution, c'est le rire. Bien sûr, on peut rigoler. Non, on allait battre sur les fantômes. Hein. Fantôme 1, fantôme 2, fantôme 3, c'est plusieurs livres en fait. Il le fait très bien. Allez, bon, on va se coucher. Et allez, les fantômes de rappeurs, Ben. Fantomatique. Oui, oui, ça c'est bien. Bonne nuit les fantômes. À demain. Prêt à fuir à tout moment. Hein. Mais le problème, c'est que moi, je dois mettre mes baskets. Ah. On n'a pas éteint là-bas. Mince. Tu veux que j'éteigne? Je sais pas. J'entends des bruits de pas, j'aime pas. J'entends des bruits de mouches. Je pense que t'as bien fait de fermer la porte. Parce que si on entend un bruit de porte, c'est-à-dire qu'il l'ouvre. Si on avait laissé ouvert, il entrait comme dans du beurre. Oh non, j'ai pas envie de m'endormir. Je vais pas m'endormir. Je vous dis tout de suite, je ne vais pas m'endormir. On éteint les lumières, Pierre? Évidemment, c'est pas fini, Pierre. On en a pour toute la nuit. Il y a le couloir qui est allumé là-bas. Oui, mais c'est fait exprès.
Comme ça, on voit l'ombre. Putain, on est très fort. Tu sais qu'on a progressé. Hein. Mais oui, t'as vu comment on est bon? T'as vu le téléphone comme j'ai décroché et tout? T'as jamais décroché, t'as eu trop peur. Il avait quoi dans la main, le premier qui t'a poursuivi? Un marteau, il traînait, un grand marteau. Peut-être juste un maçon qui devait refaire un truc. Mais qu'est-ce qui vient à 1h du matin en gueulant, Benjamin, je vais t'attraper? C'est comme sur les autoroutes, ils font les travaux la nuit pour déranger personne. Ça doit être ça alors. Du coup, c'est fantomaçon. Fantomaçon, c'est bien. J'ai pas envie de fermer les yeux, j'ai peur de mes propres yeux. Il m'a fait peur le premier, il m'a fait peur. On sait que on va fermer les yeux, il va se passer un truc, donc autant ne pas fermer les yeux. Non, je ferme pas les yeux. En fait, je ferme un œil sur deux. Ça fait genre je fais que des clins d'œil, mais... Genre t'es hyper complice avec le fantôme en fait. Hé, hey, je sais que t'es là. Vas-y, tu me l'as fait pas, moi, celle-là. On va passer une sale nuit, ça, je vais mieux te le dire. J'ai gardé mon pull hein, pour dormir, hein, qu'on soit bien d'accord. Pareil, j'ai un maximum d'affaires sur moi pour partir à tout moment. Quand je vais raconter ça à mes petits-enfants, oh, ils me croiront. Est-ce que si les fantômes, ils collectionnent des cartes Pokémon, c'est les Ghost Booster? Ah, oh, c'est bien, ça. Ça, c'est bien, ça. Et s'il est photographe, est-ce que c'est un fantomaton? Oh non, ça recommence. Pas la musique. Pas la musique, Ben. Je déteste ça. J'allais te dire, c'est mon truc le moins préféré. On est obligé d'y aller, Pierre. C'est plutôt pas mal, ceci dit. On dirait une chanson d'Orelsan. Ouais, elle est sympa. C'est où? Bah, c'est en bas, comme par hasard. Excusez, attends, peut-être ça peut juste marcher. Je peux mettre la musique moins fort? Non, ça marche jamais, ça. Oh non, c'est la pièce où il y avait une petite fille. Bah, on va être obligé d'aller éteindre, hein, sinon on peut pas dormir. Il faut que tu regardes, toi, de ce côté-là. Pourquoi? Attends. Tu m'as l'air trop sûr de toi. Non, mais là, faut y aller, Pierre. Oh, ils ont éteint la lumière en haut. La lumière, elle s'éteint en haut. C'est bon, y'a rien, tu peux y aller. Non, c'est bon, vas-y, toi. Y'a rien, tu peux y aller. Bonjour. On voudrait juste éteindre la lumière. Non, parce que vraiment, la musique est gênante, hein. Il se passe quoi? En haut, y'a du bruit, et là, ça a toqué. Ils vont nous prendre un sandwich. Ah 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 ah. Non, mais ça fait beaucoup trop peur. Une pièce de théâtre qui commence. Il faut vous ouvrir! Allez, cours! Ah moi je remonte en haut! Oh, j'en ai rien à foutre! Oh, j'en ai à foutre! Lâche-moi! Mais lâche-moi! Mais lâche-moi! Il est là, Pierre. Et si vous avez pas les clés, vous défoncez pas les portes, hein! On paye notre nuit comme tout le monde, hein! C'est qui? Bah je sais pas, mais là c'est chiant, là je suis dans un escalier là. Moi je dors dans l'escalier, c'est le seul endroit où on est tranquille. C'est quoi? Mais c'est en haut, c'est ou où? C'est en bas. C'est en haut. Articulez quand vous faites vos cris, hein. C'est en bas, il a toqué l'escalier. Mais justement c'est pour ça que je vais en haut. Ah oui d'accord. Il se fout de notre gueule? C'est un rire de fantôme ça? C'est un fou rire ou c'est un rire que j'évalue un peu le truc? Ah non mince, il y a la personne qui... Il y a la personne qui toque toutes les portes. Il est là? Bah on va aller dans la chambre. Toc-toc qui est là. Je sais pas quoi, aller dans la chambre? Il y a Toc-toc qui est là. Attends, peut-être dans la chambre, non, il y a quelqu'un. Nous on va se coucher, hein. Il est là. Toc-toc qui est là. Oh là là, il me fait peur. Oui, bah... C'est qui? Il arrive, c'est lui! Qui? Fais-moi le bruit, je t'ai dit. On fait moins de bruit. Bah là, il suffisait de le demander. C'est quoi votre prénom? Il nous balance à quelqu'un. Ouais, quelqu'un. Ouais, la cookie là. Ferme la porte. Ah. Faut fermer la porte. Ferme la porte. D'accord, je retourne dans ma chambre. Ferme la porte. Ok. Hey, je suis couché, je ferai plus de bêtises. Je me couche, je me réveillerai que demain matin quand je serai sage. Je ferme les yeux, Dieu. Non mais il me fait peur, le pauvre lui c'est un fantôme qui a souffert. Tu sens qu'il dit, il va t'entendre, ferme ta porte, il va t'entendre. En fait, ils subissent tous la pression de l'autre fantôme. Il y en a un qui met des coups de pression à tout le monde. Mais lui, c'est un gentil, lui. C'est Phantom Hanks. C'est gentil. Oh, c'est pas mal. Je te propose ça, moi. Ah, c'est pas mal. Il y a quelqu'un dehors. Qui essaie de nous poursuivre. C'est qui? C'est celui que t'avais dit? Il arrête pas de dire quoi? Genre, on est pas marrant. On dirait vraiment un truc de... Tu sais, t'arrives dans un spectacle pourri. Et tu fais ta vanne, il fait... Faut qu'on arrête de prendre... Des bâtisses de 600 mètres carrés, nous, hein. Franchement, viens, on peut pas prendre un F2. Mais oui, bien sûr. On prend un F2 à Odéon, on fait chez qui? Personne. Mais voilà, et nous, il nous faut 18 chambres à chaque fois. Prochaine fois, pour ce genre de vidéo, moi, je le fais chez moi. Je reste chez moi, c'est maison entêtée.
Oui, c'est bien ça. Merci. Merci, ça, c'est bien ça. Par rapport au télétravail. Bien sûr. Que... Oui. Moi, je reste pas là. Hein. Attends, elle dit quoi? Elle est cachée juste là. Est-ce qu'on va la voir ou pas? Retourne dans ton lit! Oh là là, j'ai comme si c'était fait. C'est on y est. Je suis en train de dormir, je suis dans un rêve. Oh, la voiture volante. C'est qui? Mais arrêtez de me faire ça, ça fait peur quand on dort. Oh, ils m'ont fait peur. Tu peux entrer, hein? Si c'est pour même pas entrer après. Oh là là, mais non. On est en plein rêve, on est en train de se construire une autre vie, on a une crinière, on est grand. Bah on se fait réveiller quoi. Voilà. Voilà. Et plus rien. Et c'est terminé. Non mais ça c'est pas de sa faute, c'est Toc Toc qui est là, ouais. Il fait un 2-3 soleil avec les autres là. Quelle idée de taper comme ça. J'ai été en train de dormir en fait. Ça fait juste extrêmement peur. On va pas se lever pour ça. Moi je me lève pas. Je donne pas mon levage pour ça. Bon là je vais gueuler. Là je vais gueuler là. Là ça va là. Benjamin la bonne poire. Attends. Là ça va. Attends. Oui non mais bien sûr. Parce qu'ici il arrive à toute vitesse là, moi je... Eh hey, hey. C'est à partir de maintenant, c'est stop. J'espère m'être fait comprendre. Fait comprendre. On n'a pas idée de toquer comme ça. On veut bien être sympa 2 minutes, mais on a pas peur, nous. C'est quoi l'idée? Faut montrer les muscles? Non, fais pas des promesses. Oui, non. Pardon, c'est quoi l'idée? C'est de montrer des bons décors qui fonctionnels. C'est lui qui est en face, là? Oh, non, c'est l'autre. C'est celui de tout à l'heure. C'est celui de dehors. Ya. Ouais. Ça fait juste extrêmement peur. C'était prévu dans le scénario que je me pisse dessus. Mais tu vois, ta blague, il a fait... J'ai le cœur à 2000. Je suis pas bien. Il est rentré dans la maison, du coup, l'individu qui avait pas les clés. C'est plus mon problème, c'est pas ma maison, c'est pas mon lit, c'est pas ma chambre. Oh non. Les branches, ils me le voient pour tout ce truc, non? Allez, viens, on va le décrocher. Mais de toute façon, c'est la police qui essaie de nous aider, hein. Faut qu'on décroche. Allez, Pierre, va en premier. Non, attends. Bon. On va décrocher. Pourquoi c'est ouvert, ça? Ça a toujours été ouvert depuis tout à l'heure. Je te dis, il y a un truc bizarre. Il y a un bruit encore là-bas. Oui, allô? Il a dit quoi? Il y a quelqu'un en bas qui nous... Ah, je crois que ça vient d'en bas. Et t'as fait une vanne parce qu'il y a un gros rire pour... Allô quoi? Ouais, non mais pas... Mais non, mais c'est vrai. Ouais, non mais allô quoi? Il a pas dit j'arrive. Décroche. Vas-y toi. Oui, bonjour. Viens si t'es un fantôme. Viens, j'ai même pas peur de toi. Tiens, vas-y. Ouais, je suis pas sûr que ça ait foutu la pression. Je vais trouver Pierre. Même si t'es caché sous ton drap. Sous ton drap, il a dit? Oui. Je vais trouver Pierre même si t'es caché sous ton drap. La valise, elle est éteinte. Tout à l'heure, elle était allumée en bleu. Ça me sonne. Vas-y, ça t'a décroché, on l'avait dit une fois chacun. Elle, j'aime pas cette porte-là. Écoutez, ce jeu a déjà beaucoup trop duré. Tu feras mieux d'aller dans ton lit, hein? Parce que maintenant, j'arrive, Benjamin. Non, ne fais pas ça. On peut s'arranger. J'ai des bitcoins. Il a dit Benjamin, Quoi? Il a dit Benjamin, j'arrive dans ta chambre. Non. Je te jure. Ce qui me dérange là-dedans, c'est... Ta chambre, c'est ma chambre, en fait. Ta chambre, c'est ma chambre, en fait. Où est là? Monsieur Verica déjà? Mais t'as pas fait de mal là? Mais j'ai pas fait de mal! Tu ferais mieux de retourner te coucher, Benjamin! Il a dit quoi? Tu ferais mieux de retourner te coucher.
Il va pas ouvrir. Non. Mais en fait, si je comprends bien, il m'appelle au téléphone pour me dire « Julien, ta chambre ». Je me mets dans ma chambre, il s'en va. Ah, avoue que c'est un peu bizarre. Viens, on dort en ronde. Vas-y, je commence à dormir. 5-6 heures. Ouais, tu dormiras après, vers 8 heures du matin, d'accord? Ok. Je ne peux pas laisser une femme dans le besoin. Attends, c'est passé quoi là? Benjamin, détache-moi. Ah bah là, elle t'a parlé là. Je te laisse, hein. Attends-moi. T'es en train de te séparer trop là. Il y a une lampe à droite, t'as qu'une à ta droite. Alors, je viens de détacher, mais en tout bien, tout honneur. Hein. On reste amis, hein. Fais gaffe dans ton dos. Protège my back. Oh mon dieu! Quoi? Mais elle a une exorciste attachée. Elle va la détacher. Il y a quelqu'un derrière la porte là. En plus. Oh. Ah oh. Il y a trop de monde. Alors, il y a beaucoup de... Alors, écoutez. Toi, t'es la petite fille de l'autre fois, toi. C'est quoi? Viens me détacher. Oui, ben ça va, je vais te détacher, tu vas me faire du mal. Alors, je vais te détacher. Mais si, t'es l'exorciste, je t'ai vu dans le film. Je viens de te voir, c'est ça? Tu peux prendre mon gars dans cette vie? Et toi, tu vas gâter avec moi? Non, mais j'ai peur. C'est bloqué. Mais fais quelque chose! Mais j'ai provoqué rien du tout! Attends, mais. Elle veut pierre! Non, mais attends, je ne veux pas faire! Mais tiens, viens nous aider! Non, mais attends! C'est Laurent Deutsch! C'est le livre de Laurent Deutsch! Je veux savoir! C'est juste des vannes sur le métro! Sortez le nom! Je vais dans ma chambre! Je suis pas bien! Elle était incroyable! Elle était charismatique! C'était l'exorciste! Oh, je sais plus comment je m'appelle! Bah, elle le dit tout le temps, Benjamin! Eh, j'ai crié pour qu'elle revienne! Oh, j'ai le cœur à 2000! Oh non, ça ressonne. Oh non! Je pas me laisser. C'est pas un secrétariat ici! Bonne punchline de téléphone, ça. Mais attends, par contre, si la petite fille elle nous attrape, on est mort. C'est-à-dire quoi? Dans le principe. J'en peux plus, là. Tu t'avais dit qu'on fallait. Non, mais elle a fait un truc avec son corps que j'avais vu que dans la ligne 4. Mais ça ressonne, Pierre. C'est un canard téléphonique. Ça peut pas être Jean-Yves Lafesse. Là, je comprends plus. On sort. Elle nous dit que on n'a pas compris les règles du jeu. Ouais, mais là, si ça sonne, on est obligé. C'est le jeu de cette maison. Mais c'est pas possible. C'est bon, j'ai compris. Mais c'est quoi toutes ces positions qu'elle a, là? Elle fait si peur et en même temps si excitante. Je sais pas quoi penser. Mesdames et messieurs, ma caméra a autant de batterie que mon cœur. Donc ça va bientôt s'éteindre. On prend celle-là. Tiens, moi je prends ça aussi. Tac, tac, tac. Bonsoir. Je vous dis à tout à l'heure et je prends immédiatement celle-ci. Oh, on est raccord. Nouvelle caméra. Je vais bientôt mourir. J'ai plus de force. Ça ressonne. Oh là là, j'étais en plein sommeil. Ça devient clownesque. Oh là là. Attends, chut. Aide-moi. Aide-moi, je t'en prie. Ah bah, j'arrive. Oh, on arrive, là, c'est dit gentiment pour une fois. Oui, je viens t'aider. Oui. Oui. Aide-moi. Oui, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Il y a deux personnes, là. Aide-moi, je t'en prie. Il arrive. Qui? Je t'en prie. Oui. Il y a deux. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Il y a deux voix. Viens. Viens. Je peux bouger. Viens. Aide-moi, je t'en prie. Quoi? Je t'entends. Mais viens. Allez, à moi. Viens. Je t'en prie. Allez, viens. Je suis bloqué. Mais non. Viens. Non. Mais viens. Non. Non. S'il te plaît. Oh non. Non. Putain, salaud. Non. Il l'a pris. Non. Alors là, ça va. S'il te plaît. Non. S'il te plaît. Oh là là. Eh, tu lui fais du mal. Il va être un. Eh, ça va pas de mettre des règles là. Je t'en prie, aide-moi. Non. Je te prie, retourner. Je t'en prie, aide-moi. Je vais te bouger. Il est en train. Mais là, fais gaffe. Il est là. Pauvre toc toc. Et non. Hey, tu n'as aucun droit de propriété sur un humain déjà. T'as un contrat?
Tu veux que je vienne te chercher? Ouais. Bah là. Non, non, non. C'est... Non, mais... Le truc, c'est de convenir d'un horaire. Où tu emmerdes? Là, ça va. J'ai pas pu sauver Toc Toc. C'est Toc Toc qui est là. Toc Toc qui est là, c'est bon. Viens, j'ai un élan de courage, on y va. Vas-y, on est chaud. Ouais, enfin, le courage... Ah, ah, pardon. Pardon, on y va, on rentre. Ah, il arrive, il arrive, il arrive, il arrive, il arrive. Dans les derrière les rideaux. C'est qui? C'est l'exorciste. Toi, toi, je t'aime pas, toi. Quoi? Quoi? Non, c'est pas vrai, c'est pas... T'as fait peur, Alain. Tu viens de seul, toi, quand t'as peur. Bon, la question, c'est pas ça. C'est est-ce qu'on va sauver Toc Toc? Dans l'idée, ouais. Je sais pas ce que c'est, il m'a tendu la main, Toc Toc. Me lâche pas, me lâche pas. Et après, il s'est fait engloutir par... Mais t'as vu? T'imagines que c'est le truc-là qui m'a coursé dès le début. On a presque été courageux. Ça fait du bien, non? On va pas sauver. Oui, non, mais bien sûr, mais attends. Tu te rends compte qu'il voulait qu'on le sauve, Toc Toc? Il va falloir qu'on trouve une solution. Bon, pas là. Non, mais hey, demain matin, bien, tu vois, bonne récup. 8h30, 9h. Gros petit déj. Ah bah, pas ventre vide. Hein. Je vais me dire qu'après le 4 quarts et le jus d'orange, Toc Toc, tu vas voir, on va te sauver. Mais t'as vu un peu comment il est massif, le méchant? Putain, il est costaud. Et son crâne, là, il a un vrai problème de cuir chevelu. Qu'est-ce qu'il a pas mis comme shampoing? Éteins cette lumière. J'ai jamais eu autant peur dans un volume du manoir hanté. Mais là, on sent qu'ils sont physiques. Ah, mais là, ils veulent nous faire du mal. Là, c'est pas juste, je te mets une chanson à minuit, j'ai mis la sono trop forte. Moi, je suis pas serein. Bon, tu vois, tu perds, ça j'avais fait mal à personne. Alors que là, vu qu'il y a des morts, c'est une tuerie, tu perds. Imagine que tout ce barnum, c'est qu'ils veulent... Métronome de Laurent Deutsch. En fait, je l'aurais pas pris dès le début. On passait une nuit nickel. Il est sorti aux éditions Machette. Oh, c'est parfait. À mon avis, vu comment ils font peur, ils étaient plutôt aux éditions La Frousse. Oh, c'est bien. Tu fais qu'on fasse une descente pour aller chercher Toc Toc? Là, comme ça? Sans qu'on nous demande rien, sans que le téléphone sonne? Je sais pas. Non. D'accord. Ah, oh bah là, je sais plus là. Elle a dit quoi? Je sais pas, elle a bien joué avec ma coquille. Avec ma tétine? Bien joué avec ma tétine. Benjamin! Vas-y, pas. Nathil! Bien joué avec ma copine, elle est toute seule. Quelle copine? Bien joué avec ma copine dans le grenier. Dans le grenier? Dans le grenier. Attends, il y a un autre grenier là-bas. Dans le grenier en haut de l'escalier? Il y a un escalier à droite. Oh mon dieu, j'ai... Oh. Non, non, là, j'ai trop peur, là. Viens jouer avec ma copine, elle est toute seule. Attends, 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 tu vas comme ça, toi? Oh là là. Par contre, on se dit que s'il y a une fuite, tu te rends bien compte que cet escalier, c'est la... c'est des chutes, c'est des... J'arrive, j'arrive. On arrive de jouer, hein. On a bien compris que c'était pour jouer, hein. La dernière fois que vous avez dit de jouer, c'était... Oh oh. C'est toi? C'est quoi? J'ai juste extrêmement peur, en fait. Bon, là, faut y aller, de toute façon. Ah, ah, éclair, éclair, éclair. La... La, la, li, la, l'air. Salut. Rentre. Oui. Bonjour. Je vais jouer avec toi. Ah, mais je te connais, toi, t'es la gentille. Je vais jouer avec toi. Fais gaffe. Tu me fais peur. Tu me fais... Non, 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 non. Fais gaffe, fais gaffe. La chambre elle est éteinte. Bah, je vais vite allumer. Fais gaffe, fais gaffe. Mais il y avait qui dort? Le lit, les rideaux. On vérifie tout. Non mais là c'est pas possible. On peut pas en placer une en plus, hein. Je sais pas si t'as remarqué. Attends, moi j'ai peur qu'on soit piégé quand on revient. Bah c'est ce qui va se passer à un moment donné, mon pote. Hein. Pierre. Ouais. J'ai ma caméra qui a eu peur. T'as l'autre caméra de rechange. Donc je repars en caméra de rechange pour vous prouver qu'on reste bien toute la nuit en fait. Hein. C'est-à-dire que des batteries de caméra sont utilisées. Le cœur aussi est utilisé. Ben, on n'a plus l'interrupteur. Ils ont symboliquement bouché les interrupteurs. Ah ouais, y a plus de lumière. On est dans une chambre sans lumière. Bon bah je pose la caméra là, je vais dormir. J'en peux plus. Si j'apprends que Toc Toc il était complice, je pète un câble. Je serais déçu. C'est simple.
Ça va arriver à tout moment. Ça va valdinguer dans la chambre. On va paniquer. On va faire des choix. De toute façon, on va faire quoi? On va pas lui mettre des patates dans la gueule, la fille. Là. Mais elle, elle est dans une furie. Je t'avais dit que j'allais te retrouver. Je t'avais dit que j'allais te retrouver. Il y a un truc. Non, non, non. Je m'excuse. Je m'excuse. Je m'excuse pour tout. Pour tout. Mais fais-moi. Mais. Je veux le parler. Ne fais pas de mal. Non. Ne fais pas de mal. Ce qui va se passer, c'est très simple. Je vais te donner mon numéro de sécurité sociale. Tu vas tout de suite comprendre. On ne veut pas de mal. On ne veut pas de mal. Faut aller là, faut aller là. Non. Faut y aller, faut y aller. Faut aller là-bas. Éclair. Faut aller là-bas. Éclair. Faut aller là-bas. Faut aller là-bas. Oh là là. Ah, il a fermé. Vous pensez que c'est la sortie? Sincèrement, que tu vas t'en sortir ici? Non, parce qu'en fait, quand il y a une personne qui nous a enfermés, c'est pour ça. Je vais m'évanouir. Je vais m'évanouir. Je ne parle pas pour rien dire. Par contre, vous avez vraiment un cuir chevelu, mais dégueulasse en fait. Non, non, c'est vraiment pas beau. Parce que je vous mets du Schwarzkopf. Hein. Tu vas me donner le tien, Benjamin. Non, mais attendez. Ça... Il en a pas beaucoup. Alors, j'en ai pas beaucoup, vous me laissez. J'ai besoin de revoir la lumière du jour. J'ai envie d'être un être humain. Oh, enfin. On est tous très énervés. Dernier jeu. C'est quoi le jeu? Attends, peut-être tu veux jouer avec nous. Essayez de trouver la vraie sortie. On commence maintenant. Tu vas me donner ton mètre 74, non. Benjamin. Comment il connaît ma taille? Tu vas. Comment il connaît ma taille? On va vers où? Mais aidez. Oh là! Ben ça va! La voiture! Les clés de la voiture! T'as les clés de la voiture! Prends les clés de la voiture! Je suis en chaussette! Oui, bah ça va! On est où là? Oh, il arrive! Il arrive! Il a plus d'amis! Je suis dans la boue! Aïe, ça me fait mal aux pieds! En fait, j'ai peur, mais ça me fait mal aux pieds! Il y a la voie de sortir! On est sur la route! Non, là, c'est une propriété privée! C'est une propriété privée! Non, il faut. Je vais mourir. Bon les amis, avant de me faire attraper par Godzilla qui a des problèmes de cuir chevelu, je voulais dire encore un énorme merci à NordVPN. Et je vous rappelle qu'avec le lien en description nordvpn.com/benjos, vous avez 73% de réduction sur un abonnement de 2 ans, plus un mois supplémentaire gratuit. Je vous laisse checker ça et puis je vais essayer d'aller retrouver Pierre. Plus jamais de m'aimanter.